Où est-ce qu'il est? On est à 2 jours de l'éclosion et il disparaît? Non, il ferait pas ça. Et bien salut à tous, c'est Darko pour une nouvelle vidéo d'un Let's Play sur Horizon Zero Dawn. Et avant toute chose, je tiens à vous présenter des excuses par rapport à l'épisode précédent, notamment par rapport aux publicités, parce qu'il y a YouTube qui a activé les publicités mid-roll, et l'épisode 1, bah YouTube s'est dit, on va mettre quelques publicités, quelques c'est pas assez, on va mettre putain de 17. Donc je me suis arrangé pour que ça ne se reproduise plus, vous n'avez plus qu'une publicité au début de la vidéo, hein, mais voilà. Donc ouais, la dernière fois on avait fait la connaissance de Aloy, ainsi que de son père visiblement adoptif, à savoir Rost. Et on avait vu Aloy grandir petit à petit pour devenir la femme qu'elle est actuellement. Et on a terminé donc le tuto, mais presque, mais l'introduction plutôt. Et ça nous donne accès à l'arbre de compétences. Et le truc, c'est que j'aimerais bien. Je pense que le voyageuse, ça peut être pas mal du tout. Hein. Ça va être pas mal du tout ça, pour pouvoir faire du craft, parce que le craft ça va être quelque chose de très important. Donc on va commencer avec ça. Ah, évidemment. Hop, voilà. On va commencer là-dessus pour l'instant. Voilà. Et j'ai reparamétré les réglages normalement vidéo, le graphisme, pour que ce soit plus joli. Même si ça reste quand même relativement gourmand, mais c'est pas grave. Il y a encore les problèmes d'anti-crénelage, hein, il n'y a toujours pas le patch, parce que là j'enregistre, on est. On est lundi soir. Pouvez-vous lancer les petites machines maintenant? Ah oui, les attaques lourdes. Ok. Ah, sauvegarde rapide. Sauvegarde manuelle, tiens. Écoutez, emplacement vide. Ben oui, sélectionné. D'accord, donc il y a des feux. Ok, bien. Plante médicinale, je prends. Là, je suis full en plante médicinale. Hop. Craft important, sac de soins plein. Okay, on va prendre quand même des cannes de rivage en plus si on a besoin de flèches. Et écoutez, ben on va avancer. Hein. Il m'avait dit qu'on irait chasser. Pourquoi il est pas là? Donc on va aller chasser. Eh ben bonne question, très cher Aloy. Très bonne question. Ah, les paysages sont quand même sacrément classe. J'aurais juste le petit problème d'anti-crénelage, hein, mais bon, c'est pas... Qu'est-ce qu'il fabrique? C'est pas non plus dramatique. On dirait qu'il attend. J'y comprends rien. Rost humain. Ouais. Ouais, parce qu'on a trouvé un petit... Un petit appareil, hein. Ça va être une prise, non? On peut pas... Ah si, on peut. Ok. On peut escalader. Aloy, tu es là. Tout va bien. Heureusement que je sais pister. Ou tout va bien. Ouais, heureusement que je sais pister. Quand tu m'as dit qu'on irait à la chasse, j'avais pas compris que c'était moi qui devrais te pister. Je dois te parler. J'ai réfléchi à ton entraînement, Aloy. Je t'ai appris à chasser, à survivre. Mais il y a quelque chose que j'ai omis de t'enseigner. Veux-tu l'apprendre? Bien sûr. Tout ce que tu m'enseignes est important. Il y a eu des incidents. C'est l'occasion idéale pour cette dernière leçon, mais ce sera dangereux. Il faut que tu sois préparé. Ou tu mourras. Va chasser dans l'étreinte et récupère les pièces nécessaires à des flèches de feu. Des flèches de feu? Mais de quel genre d'incident on parle? Quand tu auras tout trouvé, retrouve-moi là-bas, la porte près du village du cœur de la mer. La porte nord? À la frontière de l'étreinte? Oui, c'est ça. Allez, allez, ne traîne pas. Y a autre chose qui te tracasse? Y a autre chose qui te tracasse? Non, tout va bien. Bah écoutez, hein... Il y a autre chose que tu veux que je fasse dans l'étreinte? Oh. Gratta la félie ne doit plus avoir à manger. Tu pourrais lui chasser un peu de viande si tu as le temps. Ça peut être pas mal. Ce qui serait bien, c'est qu'elle dise merci pour une fois.
Une quête secondaire pour commencer. Grata suit le règlement. Son silence envers nous est normal. Ne le prends pas mal. Oui, parce qu'on est des parias. Puisque tu le dis. Allez, bah je rapporterai les pièces. Je vais chercher les pièces. Mais j'en profiterai pour dire bonjour à Karst. Aloy, cet homme enfreint le règlement à chaque fois qu'il te parle. Et je l'en remercie. J'aurais besoin d'acheter un lance-câble et c'est le seul à traiter avec les parias. Fais-le plein de munitions alors. Cette arme te sera utile ce soir. C'est assez inquiétant. Très bien, on se voit à la porte nord. Alors, menu de quête. Grata la scellée, niveau 4. Ok, par la Grata, d'accord. Actif principal, annexe. Aucune quête annexe. Inconnu, machin. Ok. Point de la lance. Flèche de feu, machin. Ok. On va d'abord faire ça. Hop, on la sélectionne. Ouais. Ok. On va parler à Grata donc. Alors, comment ça se passe? Je présume qu'il faut que. Il y a quelque chose qui le tracasse. Tout simplement. Appuyez sur espace. Paysages sont classe. Puis sur entrée pour la carte. Ok. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, et donc, ouais, il y a les différents feux de camp qui vont permettre de sauvegarder, bien entendu. Et mon objectif est juste là. Il y a un feu de camp sur la route. Écoutez, hein. Why not? Qu'est-ce qu'on a ici? Sac de soins plein et je suis fou en vie. Pas besoin de plus. Bon, bah écoutez, on va avancer, hein, on verra bien. Si on trouve de la viande, ça peut être pas mal. On va sauvegarder, tant qu'à faire. L'étreinte. De toute ma vie, je ne suis jamais allé au-delà de cette vallée. L'éclosion va changer tout ça. Deux jours. Deux jours et j'aurai mes réponses. Ah, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. J'aurai, je saurai d'où je viens. Et pourquoi on m'a rejeté à la naissance. Comme si ça pouvait se justifier. Bon, il faut que je trouve les pièces pour les flèches de feu. D'abord, trouver un troupeau. Il y a quelques petits problèmes graphiques, notamment je vois ça à la lisière de mon écran. C'est très très chiant. Vivement qu'il soit patché, hein. Qu'est-ce que c'est ça? Racine de ya électrique. Oui, je m'égare complètement sur là où je dois aller. Mais passons. C'est un putain de monde ouvert, hein, donc je vais passer beaucoup de temps. Racine de plante ardente. Vu le nom, j'aurais tenté de dire que ça va servir pour un... pour l'électricité. Faut pas me laisser dans un monde ouvert où on peut looter plein de trucs. Il faut pas. C'est pas une bonne idée du tout. On va avancer, on va essayer de retrouver la Grata. La fêlée. Comme il l'appelle. Hop. Ah, je peux esquiver comme ça. Ok. Bien. C'est une machine, ça. Le cœur de la mer. Dans deux jours, je saurai enfin à quoi ça ressemble. Tant de gens au même endroit, je pourrais sûrement dire adieu à la solitude. Alors ça me stresse vraiment, je suis désolé, hein, mais j'ai changé les paramètres. Graphisme, j'ai foutu l'anticrénage à son max. Et bordel, ça marche pas les masses. J'ai l'impression, excusez-moi, hein, je... Non, là c'est encore pire. Paramètres, on va remettre... Graphisme. Voilà. C'est très dommage quand même. J'ai peut-être une idée. Bougez pas. Affichage. Ah bah voilà, là c'est beaucoup mieux.
C'était juste ça qu'il fallait modifier. Autant pour moi. Bah voilà, maintenant ça tourne beaucoup mieux. Voilà. Vous voyez, les paramètres graphiques, c'est important. Faut se pencher dessus un minimum. Et j'avais fait de la merde. Là, c'est joli. Regardez-moi ça. Regardez-moi que ça. Là, c'est magnifique. Ah d'accord, c'est superbe. Là, on est sur quelque chose de très très beau. Là, on est sur quelque chose de très très beau. Ok. Bien. Ah, traduction instantanée. Donc, cœur de la mer, gueule de la mer. Eh ben, écoutez, allons voir Gratin. Oh, ah oui, là, c'est beaucoup plus fin. Là, c'est beaucoup plus joli. Non, mais ouais. Excusez-moi. C'était... Erreur de ma part. Hein. On n'a pas l'endurance par contre. Hein. On peut courir autant qu'on veut. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ah, il y en avait qu'une seule ? Voilà. Et bah voilà. Bah écoutez, on prend... Ouh, plus 5% de dégâts, c'est pas mal. Fil électrique en plus, je prends. Modification disponible. Cœur de veilleur. Que je vais pouvoir désemballer. Enfin, désassembler plutôt. Inventaire, voyons voir. Modificateur. Bien ça. Je vais pas le décomposer, moi. Arme. Tac. Ouais, d'accord, mais... Ah oui, modification, c'est ici que ça se passe. Mais... Je peux pas modifier le truc, déjà? Ça, c'est quoi? Source... Cette pièce rare, récupérée uniquement sur les veilleurs, est prise des marchands. Ça pourrait servir pour la vente, à la limite, ça, vous allez me dire. Ça, je peux le décomposer, la bluette. On verra, dans tous les sens, dans tous les cas, on verra à quoi ça peut servir. Oh, j'ai des objets spéciaux, pourquoi donc? Commerçant Kaja, Voyage de Banuk, Gardienne Nora. Pour obtenir des objets bonus spéciaux, c'est bien ça. Certainement parce que j'ai précommandé et que j'ai pris la version... la version complète dans tous les cas. Hein. Par contre, quoi est-ce que je fais déjà les... Oh, le froid me picote. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que je voulais faire, c'est pas grave. Je me rappelle même plus comment est-ce que je fais pour crafter les... des flèches. Je pense que quand j'en ai besoin, le jeu me le dira. Faut que je remonte, par contre. Ouais, là, le jeu est beau, quand même. Il est quand même beaucoup plus beau qu'au début de l'épisode, désolé. Bon. Ah, putain. Ah oui, quand même. Hein. Ouh, grosse machine, dis donc, là-bas. Allons voir Gratin. Quelques petites baisses de frais, mais bon, c'est pas dramatique. Quand mon nom a été crié vers la montagne, tu ne l'as jamais renvoyé. Tu l'as gardé au fond de ton cœur. D'accord, donc c'était ça qu'elle disait. Même quand mon estomac et mes mains sont vides, que tu m'accueilles quoi qu'il arrive dans ton étreinte. La vieille au début, c'est dit le nom de l'enfant et on verra si la déesse répondra. C'est juste l'écho en fait, savoir si l'écho a fonctionné ou pas. Bonjour Grata. Toute mère. Depuis mon bannissement, n'ai-je pas été aussi constante que le flot de la rivière? N'ai-je pas tenu mon serment aussi solidement que la pierre? Accorde-moi ta grâce, toute mère, et offre-moi ma pitance. T'en fais pas, Grata. Tu auras tes lapins. Oh, toute mère, j'entends ta voix, portée par le vent. Je voudrais compter tes bienfaits avec mes perles de prière, mais je les ai perdues sur le promontoire de l'Est.
Mes vieux os sont trop usés pour y retourner. Donc évidemment. Il te faut des lapins et des perles cette fois. D'accord, je te retrouve chez toi. J'aime bien la façon qu'elle a eu de dire ça à l'œil. D'accord, ok. Bah, je vais m'y coller, hein. Donc, récupérer de la viande. Ok. Hop. Allez, c'est parti. On a 300 mètres à faire. Ça va aller vite. L'ambiance est folle, putain de merde. Excusez-moi. Ah, c'est beau, c'est beau. Oh putain, c'est beau. Oh là là, j'ai envie d'utiliser le mode photo là. Oh, c'est beau. Excusez-moi, je vais dire ça pendant pas mal de temps, mais... Ce jeu est beau. Là, j'ai l'impression d'être sur Microtech en fait. Hein. On va pas se mentir, en mieux fait que sur Star Citizen, mais... Voilà. Ils sont reviendus. On va se les rechasser, hein, écoutez. On va se mettre sur le côté, là. Est-ce que... Ok. Ouais, le corps à corps, c'est bien aussi. Par contre, j'ai vu un galopeur tout à l'heure. Ah, vas-y, on prend tout. J'en avais besoin. Ok. Bon, bah, on va pouvoir se récupérer un petit peu de soins en plus. Pas mal. Récupérer de la viande, faut que j'aille là-bas. Mais... Ah oui, il y a bel et bien un galopeur là-bas, attendez. Attendez. Parce que ça m'intéresse, c'est un galopeur. Faut pas me laisser dans un monde ouvert. Il ne faut pas me laisser dans un monde ouvert, c'est pas la bonne idée. Il me voit. C'est ta sœur, Olara. Alors j'ai entendu quelqu'un qui parlait de la sœur de quelqu'un. Mais j'ai même pas encore validé la première quête, que j'ai déjà d'autres quêtes secondaires qui arrivent. On va pas s'en sortir, les gars. Ah, il y en a... Oh putain, ouais, il y a un troupeau de galopeurs, hein, peut-être... Vous allez me dire, non, ils sont censés être... des flippettes, donc... Mais... Arrête de bouger la tête. Voilà, cassez-vous, c'est bien. Hop, ça je prends. Prends tout, hein, écoutez. On va remonter, par contre. Il y a des feux de camp dans le coin, attendez. Ouais, je suis passé à côté de deux feux de camp, ouais. En effet. Nouvelle quête. On va d'abord s'occuper de ce qu'on doit faire. On doit d'abord récupérer de la bidoche. Donc, allons-y.
Il y a un feu de camp dans le coin normalement, non? Ouais, de l'autre côté du pont. On va sauvegarder un petit peu de l'autre côté du pont. Oh, le jeu est beau. Excusez-moi, je vais être chiant. Par contre, on a deux jours, mais le problème c'est que là, le temps s'écoule en temps réel, non? Je t'en prie, personne ne veut m'aider. Oh, je vais encore avoir une... Ah d'accord, il m'a pris un nouvel emplacement, d'accord. Bon. Je t'en prie, viens. T'es qui, toi? Trop de quêtes secondaires. Tu veux parler à une paria? J'ai besoin d'aide. Je me fiche des conséquences. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es blessé à la jambe? C'est pas pour moi, c'est pour ma fille, Arana. Elle est en danger. Elle a suivi une charognarde près du berceau de la mer. Je crains pour sa vie. Je ne peux pas m'enlever. Je ne peux rien faire du tout. Est-ce que tu peux m'aider? Pourquoi moi, ta fille, berceau de la mer? Ta fille s'est lancée après une charognarde toute seule? C'est ma faute. C'est moi qui l'a traquée. Elle m'a démoli la jambe. Je m'en suis sorti, mais ma lance est restée fichée dans son corps. Elle avait été fabriquée par Edena, ma compagne, qui est morte. Arana chérit cette arme. C'est pour la récupérer qu'elle a suivi le monstre. Tu es conscient que les matriarches risquent de te bannir pour m'avoir parlé? Ça m'est égal. J'ai essayé de la retrouver seule, mais ma jambe m'a lâché. Je t'en supplie. Peu m'importe le châtiment tant que je la retrouve en vie. Berceau de la mer. Est allé vers le berceau de la mer? Oui, au sud-est d'ici. Je lui ai interdit, mais depuis la mort de sa mère, elle n'en fait qu'à sa tête. Franchement, regarde-moi. Veuf et maintenant infirme. Incapable d'aller à la recherche de sa fille. S'il te plaît, il faut absolument que tu m'aides. Je ferai ce que je peux pour retrouver ta fille. Il faut que tu la sauves. Je t'en prie. Ok, bon, ma nouvelle quête secondaire, génial. J'avais pas déjà assez. Par contre, non mais putain, c'est pas ça que je voulais faire. Ça va me gonfler. Paramètres. Commande. Configuration. Menu. Ça, on s'en fout, c'est pas ça. Sac glissel, outils, parcourir les outils, W ou nu. Bah non. C'est comment déjà que je dois crafter? Le menu de craft rapide. Enfin, je regarde. Hop. Bon. On va avancer. Il faut que je chasse de la viande. Déjà, primo. Bon, c'est pas un lapin, c'est un raton laveur. Putain, faut que j'aille à 146 mètres encore, là. L'ambiance est folle en un jeu. C'est magnifique. Ce jeu est magnifique. C'est beau. C'est très très beau. Et 75 mètres plus loin. Ouais, évidemment. Est-ce que je peux monter directement par là ou est-ce qu'il faut que je fasse le tour? Oui, je peux monter directement par là. Ah bah en voilà des lapins. Pas qu'ils me voient. La quantité de lapins qu'il y a. Il y a des rôdeurs. Hein. Ça, c'est une machine hostile, c'est les veilleurs, autant pour moi. Alors, ça va me faire chier si je dois chasser les lapins qui sont là. Les branches sont très coupantes.
Ok, d'accord. Oh, sérieusement? Arrêtez de bouger les lapins. Non, sérieux les lapins, arrêtez de bouger, c'est pas marrant. Je l'ai eu? Ou pas? Non, je l'ai loupé. Ah, chiotte. Je suis un piètre viseur. Ça va être chiant, ça, je sens. Cette mission va me gonfler. Je vais pas juste la foncer dessus, la foutre un coup de lance. Voilà. Nickel. Très bien ça. De la viande grasse. Putain, évidemment, il faut que les lapins... Ils courent dans tous les sens. Pourquoi? Il faut que ce soit des putains de lapins. Ça peut être des biches ou des vaches. Il faut que je trouve comment recrafter des... Excusez-moi, hein. C'est la galère, c'est le début, c'est normal, vous inquiétez pas, ça ira mieux plus tard. Menu, machin, machin, machin. Compétences, inventaire, artisanat. Oh. Ouais, mais non, c'est pas ça qu'il me faut. Dans ce cas, ça doit être dans inventaire, je présume. Le fait de me recrafter des ressources, non? Munitions. Et comment je fais pour m'en crafter? J'ai pas assez d'éclat? Je sais plus quoi est-ce quand je crafte. C'est infâme. Peut-être que quand je vais plus avoir de flèches, il va me dire hey, recrafte-toi des flèches avec en appuyant sur cette touche-là. Hé hé, tu croyais m'avoir? Enfin, tu croyais m'échapper? Et non. Bon, il y a le bon, il y a le mauvais chasseur. Vous vous doutez bien que moi, je suis le mauvais chasseur. Ils sont où, ces putains de lapins? Attends, il y a 8 milliards. Je suis à sec et dans le pétrin. Pas de munitions. Ouais, merci. Eh ben, ça marche très bien comme ça. Pourquoi je me fais chier à essayer de les... Pourquoi est-ce que je me fais chier? Voilà. En plus, os de lapin, en plus, c'est bien, ça. Bon, Grata a dit que ces perles de prière étaient sur le promontoire de l'Est. C'est pas loin d'ici. Ouais, sauf qu'il y a des veilleurs à côté, et que j'ai plus de flèches, et que je sais pas comment crafter, et que ça va me gonfler. Et que comment je fais pour en crafter, je ne sais pas. C'est pas sur C, c'est pas sur V. Pas sur contrôle. Bon, écoutez, on va se la jouer fufu, hein. Le sentier des braves qui mène en haut n'est pas loin. Mmh.
Moi je dis on se les fait au corps à corps. Ça passe. Ça passe, hein? Pourquoi se faire chier avec un arc et des flèches? Excusez-moi. Bien. Bah voilà. C'est bien passé. Grata monte jusqu'ici à son âge. Et juste pour prier. Ça, c'est de la ferveur. Ah ouais, putain, mais c'est loin quand même ton truc, Miss. Hop. Hop, on va passer par là, par là, par là. Tu veux que je passe par où là? C'est pas par là. Mais. Bah si, c'est par là, mais tu veux que je passe comment? Ah ouais, d'accord. Putain, t'as de la détente à l'œil. Elle est agile, hein. Franchement. Gros respect. Je présume qu'il faut que je passe par là. Nya, à l'œil. Là, là, ici. Merci. J'avoue, la vieille à son âge qui monte par là. Gros respect, hein. Hop, nickel. Oh, ce rayon de lumière. Oh, ce petit rayon de lumière. Oh, ouf. Ah, ça me fait des choses bizarres dans ma ventre, ça. Hop, vas-y, on passe par là. Par là. Ici. Par là. Oh, mon Dieu. Excusez-moi. Je trouve que c'est tellement beau. Eh ben, dis donc. Par contre, c'est quoi ce vacarme qu'on entend depuis... Bon. Ça a l'air intéressant. Eh ben, on a trouvé la caisse. Avec les perles de Grata. Nickel. Les perles de Grata. Je comprends pourquoi elle vient prier ici. On voit la porte de la mer. Ouais. Je sais pas ce qui m'énerve le plus. Le fait qu'elle m'ignore, ou qu'elle ne soit jamais seule vu qu'elle parle à la toute mer. Et surtout, il y a une... Putain de vue, hein. Sacré panoramique. Alors, je peux pas sauvegarder ici. Oh, cette arnaque, sérieux. Est-ce que... Je crois que je viens de tomber amoureux. Excusez-moi. Ah, mais je sens que je vais m'éclater sur ce jeu. Je vais m'éclater à balle. Ça va être génial. Je risque de le regretter. Mais non, t'inquiète pas. Alors, on va éviter de trop attirer l'attention parce que c'est des galopeurs, mine de rien. Dès que si les galopeurs me chargent, je l'ai dans l'os. Donc on va rester profil bas par rapport aux veilleurs. La veilleur ne me voit pas. Là, bah, c'est bon. Et on va rejoindre notre ami Grata. C'est bon. C'est pas la mort non plus, les galopeurs. Enfin, ouais, les galopeurs, mais... Si je peux éviter, vu que j'ai pas encore tout ce qui est flèche qui est paré, hein, parce que je sais plus comment crafter les flèches... Vous inquiétez pas, pas besoin de me le dire dans les commentaires, hein. Je regarderai le premier épisode du Let's Play pour revoir le... Oh. Bien. Pour revoir le tutoriel, mais voilà. Juste que je suis un méga boulet et que j'ai du mort de poisson. En même temps, vous voyez pas, hein. Moi, pour moi, il y a tout le week-end qui est passé. Hein. Et j'ai pas joué. Même si j'avais très envie d'y jouer. Je pense que je vais jouer un petit peu hors stream. Pour pouvoir gagner quelques levels. Et être prêt à affronter l'éclosion. Voilà Grata.
Avec la toute mère, comme à chaque fois. Ben, bonne nouvelle, Grata. Une fois de plus, la toute mère t'a apporté des lapins. Et j'ai aussi retrouvé tes perles de prière. Essaie de ne plus les perdre. Oh, toute mère, chaque matin, je vois tes larmes de joie sur les feuilles et les fleurs, car tu pleures face à la beauté de ta nature. Vois comme je pleure avec toi de gratitude. Donc tu pleures avec elle, mais tu ne veux pas me parler. C'est pas grave, tu es une bonne paria, toi au moins. Grata, je crois que je viendrai moins souvent. Je vais participer à l'éclosion et ça risque de changer beaucoup de choses. Toute mère, je te remercie pour les dons que tu me fais. Pendant l'éclosion, dans ton immense sagesse, puisses-tu aider quelqu'un au cœur généreux? Je crois que j'ai compris ton message. Adieu, Grata. Ou au revoir. Toute mère. Eh ouais, alors j'adore le ton blasé que peut adopter à l'œil. Je kiffe vraiment beaucoup. Bref. On va se trouver un feu de camp. Où est-ce que c'est qu'il y en a un dans le coin? Juste là. Donc allons-y, hein, écoutez, on va aller sur le feu de camp là où il y a le monsieur que je devais aider mais que j'aiderai que à l'épisode prochain. Et on va s'arrêter là pour cet épisode-ci, parce que mine de rien, on est à un peu plus de 35 minutes de vidéo, là. Et que... je vais pas vous mentir, j'ai un peu galéré à faire le montage de l'épisode précédent, de l'épisode 1. Je me suis repris à plusieurs fois, parce que, mon logiciel commence à avoir un petit peu de mal. Et vidéo trop longue égale plantage, donc bon. Mais ouais, franchement, alors je suis très content d'avoir réussi à trouver l'origine du problème de graphisme, en fait, tout simplement. Je vous avoue que j'ai vraiment très très hâte à être, pour moi, jeudi, pour pouvoir tourner l'épisode numéro 3, et pour vous, lundi, pour pouvoir voir l'épisode 3, en fait, tout simplement. Parce que là, ce jeu me hype méchamment. Et j'ai vraiment... J'ai vraiment hâte de pouvoir continuer, parce que là, on est encore que dans l'introduction, les gars. Gardez ça en tête, on n'a même pas fini le tutoriel. Voilà. Enfin bref, on va s'arrêter là pour cet épisode numéro 2 de Horizon Zero Dawn. J'espère sérieusement, en tout cas, qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous... Putain, ce jeu est beau. J'espère sérieusement qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous encourage à laisser un petit like à la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça prend quelques secondes, et ça fait toujours plaisir. Et surtout, comme je dis toujours... N'oubliez pas, prenez soin de vous, amusez-vous bien, et à la prochaine. Bye bye.